Regarde, un autre dragon. Je le vois, Atreus. Il est enchaîné. J'espère qu'on va trouver les hôtels d'obédience. Cet endroit est gigantesque. Mes amis, je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin prêts avant de vous aventurer plus loin. Le roi nain a laissé derrière lui bien des horreurs à cause de ses pratiques sinistres. Quel genre de pratiques ? Oh, un peu de tout. Sacrifices, puissants sortilèges, magie de sang, et j'en passe. Des pratiques répandues chez les vieux nains, malheureusement. Et les vieilles habitudes dans la vie dure. Capturer plusieurs dragons. C'est qu'il devait en avoir besoin pour créer son armure légendaire. C'est une remarque intéressante. Et ça se tient. Presque tout dans le dragon est utile et détient un pouvoir. Les dents, les écailles, même les excréments. Les excréments ? Les crottes. Les crottes de dragon ont un pouvoir. Mais oui ! Et quel pouvoir ! La tête se moque de toi. Oh, je le savais. Thank you.
Cette porte est impressionnante. Ces matériaux doivent être très spéciaux pour créer une armure légendaire. Cette armure légendaire a intérêt à en valoir la peine. Si Brock et Sindri la fabriquent ensemble, je suis sûr qu'elle en vaudra la peine. Même à eux, tu leur fais pas confiance. J'ai confiance en toi, Atreus. Mais je ne crois pas à la légende. Oh. D'abord. Super.
Des ennemis devant! Formez une équipe redoutable, tous les deux. Il faut trois pierres de passage, on dirait. Il y a bien des méthodes pour le savoir, mais elles sont assez dangereuses. Bah, ça change rien. Thank you.
suis pas prêt. Sois prêt, mon garçon! Ça te plaît de les libérer? Oui, je pense toujours que c'est la bonne chose à faire.
Wyvern. Atreus, par ici. D'accord. Une autre stèle. Prépare-toi! Même parmi les fils d'Ivaldi, avant sa disparition, le comportement de Mozzognir était de plus en plus imprévisible. Pourquoi ? DV Classica. La même armure que vous cherchez à présent. Bien qu'il en ait trouvé deux, je pense que le fait de ne jamais avoir trouvé le troisième matériau l'a rendu fou. Atreus, avec moi!
le roi nain tenait tant à avoir cette armure? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? De nombreuses légendes entourent des V-Trafficker. Un nombre tel en vérité que nous n'avons presque aucune certitude sur cette armure. Le seul attribut sur lequel on s'accorde invariablement, c'est qu'elle offrait une protection absolue. Un bien très précieux pour un roi si décrié, vois-tu? Et pourtant, ces terres désolées sont tout ce qui reste de lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire les légendes, mon garçon. Alors, en quoi est-ce qu'on peut croire? En toi-même, tes yeux, tes réflexes. Croire aveuglément à une légende tient du pari et ça paie rarement. Si tu le dis. Cet endroit est plutôt délabré. À quoi tu t'attendais? Je sais pas. Moins de ruines. La salle du trône est peut-être en meilleur état. Regarde là, un autre. Starcast. Waouh, il a beaucoup de bras. Effectivement. 6, 7, 8. Est-ce qu'il pouvait tirer avec 4 arcs en même temps? Son arme de prédilection était l'épée, et il n'avait que 2 yeux. Mon directeur l'a remis à sa place. Il fait souvent ça. T'entends ça? Non. Qu'entends-tu, Atreus? Des plaintes. Et des cris. On dirait une foule. Bah, d'anciens esprits, j'imagine. Des victimes oubliées de la folie du roi nain. Mais ça ne présage rien de bon. Le bruit se rapproche. Ça ressemble presque à... des éléans! Il y a un passage derrière ce trône.
Un passage secret ? Eh bien, ce ne serait pas une vraie salle du trône sans un passage secret. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Ce que t'as récupéré sur son cadavre, ça doit être les trois matériaux mythiques dont parlait Brock. Je peux dire avec certitude que ce sont les objets les plus étranges que j'ai jamais vus. Comment est-ce que Brock et Sinri sont censés forger quelque chose avec ça ? Ne sous-estime pas les nains, petit. Ils sont pénibles, mais pleins de ressources. Un jour, ils ont forgé une chaîne incassable avec à peine plus qu'une empreinte de chat et un crachat d'oiseau. C'est complètement absurde. C'est la légende. Si tu trouves ça absurde, il ne fallait pas demander à une tête coupée. Les matériaux légendaires ? Incroyable ! Oh, j'ai tellement hâte ! Retrouvez-moi dans le temple, et on pourra s'y mettre tout de suite. Je pensais pas te retrouver ici, vu que Brock et toi vous êtes réconciliés. Tout se passe bien ? Oh, mieux que jamais. Tu sais, je pense que nous avons beaucoup mûri pendant cette séparation. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Je prends un peu l'air. D'accord, j'aime mon frère. Mais il sent quand même le vieux boucle les nœuds. Odin cherche à étendre son pouvoir. Tu penses qu'il veut aller à Jotunheim aussi ? Oui, ça fait partie de ses plus grandes obsessions. Mais ça tient pas debout, Mimir. Ah ? À partir de quel moment n'ai-je plus été clair ? Tu disais que Baldur nous cherchait pour trouver un moyen de se rendre à Jotunheim. Mais on savait pas encore que c'était là où on devait aller. C'est absurde ! Mais tu oublies une chose, c'est bien à Jotunheim que vous allez. Donc il avait raison. J'y comprends rien. Eh bien, ça veut dire que tu as bien écouté.
Vous êtes radieux tous les deux. On a trouvé les matériaux. Mais ils sont tellement bizarres. Comment vous allez fabriquer une armure avec des choses aussi... T'aimes les oignons? Les oignons? Parce que c'est pas des oignons. Secret de fabrication. On a nos méthodes. Oh. J'espère que tu ne discutes plus avec ton frère. Peut-être bien qu'il devient un peu moins pénible avec le temps qui passe. Mais j'en ai pas moins une clientèle à satisfaire, vois-tu? Ah oui? Qui ça? Bah, c'est pas la première fois que tu viens, si? Bien vu.